Bonjour tout le monde, ici Cocktail, et bienvenue dans l'épisode 2 de ma série Minecraft, Découvrons une map Minecraft. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que les derniers jours de vos vacances seront bien pour vous. Alors, aujourd'hui, sur quelle map nous sommes? Nous sommes sur la map Fairy Tail d'un Français, si je ne m'abuse. Oups, excusez-moi. Non, pardon, sur un France, sur la map d'un Anglais qui est fan de Fairy Tail, un Anglais ou un Américain, je sais plus sa nationalité, et il a fait cette map toute seule. Et cette map, il faut savoir qu'elle ne fait pas que reprendre la guilde de Fairy Tail que vous pouvez voir juste devant. Elle reprend aussi les emblèmes, les lieux emblématiques de la série, comme le Nirvana, le Air System et plein d'autres maps que vous pourrez voir aussi, bordel de merde, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Enfin bref, que vous pourrez voir dans le descriptif de la page minecraft.fr que je vous mettrai dans le descriptif de l'épisode. Alors normalement, il y a un pack de textures qui va avec, mais le pack de textures a été retiré pour des problèmes de droit apparemment. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est sur Mediafire que le pack de texture a été placé. Et ça me met ceci, qu'il y a des violations de droit. Donc vous me direz si ça fait pareil avec vous quand vous avez téléchargé le texture pack. Donc pour cette map, j'ai tout simplement pris le pack de texture original de Minecraft. Et nous allons visiter les emblèmes, enfin les lieux emblématiques de la série. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous avons l'église de Magnolia, si je ne me trompe pas, qui représente un lieu de bagarre entre qui déjà? Entre Natsu et Lucius, je crois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous invite à la découvrir. Et pour ceux qui voudraient plus de renseignements sur la série, eh ben c'est une série consacrée au royaume de la magie. Bon, certes, ça fait un peu gamin, mais quand vous regardez la série, franchement, vous riez surtout des blagues que peuvent prononcer Natsu et Happy. Happy est le chat, Natsu est le mage. Enfin, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire, ça serait un peu trop long à expliquer. Cette map a un système de minecart aussi, pendant que j'y pense, afin de visiter certains lieux. Mais certains lieux sont sur l'océan, comme le Air System, ou encore le bateau de Fairy Tail. Alors je vais passer par la gare, car le système de minecart est assez rapide. Et il faut savoir qu'il a mis 267 jours afin de créer cette map. C'est impressionnant quand on y pense. Et on va prendre ce chemin-là, parce que je sais où mène le premier chemin, et ce n'est pas très intéressant. Et dans la série, je ne suis pas au niveau où montre le niveau que montre le premier chemin. Alors attendez-moi, je vais voir un coup, profitez bien de la vision du Minecart, je vais voir un coup, et je vous rejoins. Le jeu a crashé. Non? C'est le minecart qui est défectueux. Eh ben, on va remettre le minecart un peu plus haut. Attendez. Attendez, attendez. Voilà. Ah, il manque des torches de redstone. Ah, d'accord. Attendez, je vais rectifier ça. Torches de redstone, voilà. 64, si tu veux. Merde, je l'ai placé au mauvais endroit, excusez-moi. Non, ça ne veut pas.
Ça va pas? Non, c'est pas ça. Et il y a un problème alors avec le système de Minecraft. Enfin bref. Oui, bah, je préfère prendre le système de Minecraft car il est plus rapide que de visiter la map à pied. Je vous conseille, fuck, goddammit. Ah! Viens ici. Allez, ziou! Voilà. Alors oui, l'inventaire que vous avez vu est issu d'un mod, comme la minimap que vous pouvez voir à droite en haut de l'écran. Si vous les voulez, vous pourrez les trouver sur minecraft.fr. Malheureusement, je ne connais pas les liens car j'ai complètement oublié les noms. Avec la mini-carte, vous pouvez mettre des repères afin de vous repérer sur des cartes complètement immense et complètement pété psychologiquement. Craqué psychologiquement, pardon. Des mecs qui ont craqué psychologiquement. Ah, et pendant que j'y pense, ce mec est un taré. Il a fait cette map toute seule en 267 jours. Alors, je ne sais pas si c'est un record, mais un seul mec qui a fait toute cette map en 267 jours, tiens, on va y penser. Hein. Ah, un mec qui a fait ça en 267 jours, oh my fucking gosh, quoi. En mode fucking gauche, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Putain. Alors attendez. Il y a un problème. Voilà. Je reviens. J'avais un problème, c'est pour ça. Oh fuck, goddammit. Je vais me plaindre au directeur. Ce système de minecart n'est pas au point. Voilà. Allez. Allez. Par le pouvoir du clan ancestral. Non. Il rame du cul. Fuck. Et je n'ai pas regardé à combien de minutes on en était. On est à 5-10 minutes. Ouais, donc à 19h15. Fuck, je me suis bourré. Chier, putain, je me trompe de touche. À 19h15, j'arrêterai la vidéo. Et on va se mettre au-dessus parce que ça ira beaucoup plus vite. Parce que là, je commence vraiment à me faire chier. Allez, roule! Roule! Voilà, merci. Alors, j'ai vu certaines constructions sur... comme le Air System et le Nirvana, vous verrez sur la page, ou si j'ai pris le bon nom de carte, parce que je m'en souvenais plus lequel mène le Nirvana. Goddammit. Je crois que c'est celui qui mène le Nirvana, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Oui, car j'ai visité la map, on sait jamais, hein. Bon, tiens. Hop, on arrive à une station. Voilà, une gare. Ouais. Et il n'y a pas d'indication. Alors oui, bien sûr, il n'a pas mis de carte à disposition. Heureusement. Par contre, faites péter le jour, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez plus besoin de commandes avec ce mode aussi. Vous pouvez mettre la nuit, le jour, et vous pouvez désactiver ou activer la pluie ou la neige. Alors là, c'est un endroit tropical. Je vais essayer de le faire avec la minimap. Je vois qu'il y a quelque chose par là. Alors, reste à savoir si c'est... Non, c'est... Non, ce n'est pas fait par la main de... Ok. J'ai quand même pas oublié où est-ce qu'il fallait passer. Ah, j'ai un petit coup de lac, pourtant j'ai pas du plot en cours, non. Peut-être la minimap qui fait laguer. Alors, attendez.
Blablabla. Lac total. Non, ça l'avait encore plus. C'est pas ça. C'est bizarre, dès que je m'aventure dans des marécages, là, ou dans une forêt, ça commence à laguer. Ça commence à laguer. Ah. Ouais, bah là, ça lag moins. Alors, continuons. Je sais qu'il y a quelque chose par là. Je vois une construction sur la minimap. Oh oui. Est-ce que c'est ce que je pense? Je plaise. Si c'est le Nirvana, je suis content. Si c'est le Nirvana, je suis content. Si c'est le Nirvana. Oh my fucking gosh. Oh my fucking shit. Gosh. Je crois que c'est lui, je crois que c'est Nirvana. Alors, si j'arrive à mettre tout le bâtiment, vous verrez l'étendue du truc. J'espère que vous voyez sur la minimap. Là, je ne suis qu'à la moitié du truc et on ne voit pas tout. Attendez, je vais essayer de dézoomer à fond pour que vous voyez à peu près. Non, je ne peux pas plus dézoomer. Oh putain de bordel de merde. C'est quoi ce truc? Attendez. Il faut que je mette. Alors, Nirvana. Voilà. Okay. Mais le mec qui a fait ça, c'est complètement taré. C'est la deuxième fois que je le vois, mais je suis aussi impressionné que la première fois. Putain de merde. Je crois que c'est un problème à charger là. Non? Non? Nine? Nine? Oui, j'ai pas vraiment. Ah oui, on peut visiter. Aïe, aïe, ma jambe. Aïe. Ah, tourbillon. Ah, J'aurais surtout voulu vous montrer le R6. Oh putain. Filez-moi le briquet, je vais cramer tout ça pour y voir un peu plus clair. Avançons dans les traits, dans les méandres de l'inconnu. Je crois que j'ai touché le jackpot, les mecs. Ah, c'est un des cœurs du Nirvana! Oh yes! Oh, c'est des blocs en diamant, en moi! À moi, diamant, épique! Ah, miam, miam, miam. C'est vrai, il faut que je passe en mode de... Ah, mon Dieu. Aïe. Ah, miam, 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 miam. Ah, miam, 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 miam. Je sais ce que vous allez dire. Ouais, tu glyphes, c'est pas bien. Je sais, j'ai mis de mal les geeks. Aïe. Ah oui, c'est vrai, merci, en mode... Ah, mon Dieu. J'ai combien? Ouais, pique. Voilà, sauvegarde. Oui, il vous permet de faire des sauvegardes et de récupérer le matos. Ah oui, ça servira à décorer ma baraque. Oui.
C'est pas tout, je voudrais maintenant vous montrer une autre construction. Ah, je vois qu'il y a une autre construction à côté. Ça tombe bien. Vous pouvez la voir sur la minimap avec les espèces d'ailes bleues, je crois. Enfin bref. Oui, bah, je vais faire comme ça. Bon. Je devrais pas tarder à arriver au bout de la sortie. Fuck, ça l'a plutôt oui. Non! Ah, tu m'en vas pas! Alors je suis censé être en dessous, au-dessus d'une construction. Je sais pas, on va s'élever un peu plus, et si c'est pas ça. Là, en tout cas, vous voyez la taille du truc. Ah bah tiens, non, non, mais c'est en train de charger. Peut-être que d'en haut, j'aurai une meilleure vue. Oui, je sais, je n'ai pas un très bon PC, et avec frappe, ça n'arrange pas tout. Mais là déjà vous pouvez voir une grande partie de la construction, déjà un quart de la construction. Vous pouvez voir à quel point c'est immense. Le mec, pendant les 50 premiers jours, il a récolté les ressources soi-même. Et après il a craqué et il s'est mis en mode créatif. Mais on peut pas lui en vouloir. Faut avoir la patience de faire tout ça, franchement. Ah, et là c'est Christina. Le véhicule de Blue Pegasus, une des guildes de Fiore. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous invite à la regarder. Après, ça dépend si vous aimez la magie, mais allez, c'est une très bonne série, franchement. Bla bla bla. Qu'est-ce qui me fait laguer? Bla bla bla. Descends. Oh, il a même meublé. Oui, parce que là, ce sont les appartements. C'est très beau. Je vous répète que le mec a fait ça tout seul. Attendez, je vais vérifier dans mon dossier. Je vérifie dans mon dossier, vous en faites pas. Le mec s'appelle N et il a fait ça tout seul. Cette map est conseillée en tout cas à tous ceux qui adorent les fabuleuses constructions. Ah, et là il y a le garde-manger. J'appelle ça le garde-manger. Je sais plus comment ils appellent ça dans l'ancien. Et là c'est de la highstone si je me dis. Les coffres sont mignons. Je suppose qu'avec les textures pack, je sais pas, les objets ressemblent à des bâtons magiques ou un truc comme ça. Sûrement. En tout cas, vous me le direz si le texture pack est en ligne. Moi, en tout cas, ça ne veut pas le mettre en ligne, ça, mais qu'il y a des problèmes de droit enfin, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Là aussi, il y a un garde-manger. Ah, putain. Pas question que je fasse péter cette map. Pas comme l'ancienne. Blablabla, je suis pris dans la porte. Blablabla. Ouvrez-moi les portes. Ouvrez-moi les portes. Ah bah merde, elles sont ouvertes. Yeah, yeah, yeah. D'accord, j'arrête de chanter. Et je vais me prendre un poing dans la gueule. D'accord, j'en ai promis. Eh ben, on va monter à l'étage.
Alors désolé, je n'ai pas pu vous montrer le air system, pourtant c'était la construction que j'avais envie de vous montrer le plus, je crois. Enfin, j'avais aussi eu envie de vous montrer le Nirvana. Waouh. Nirvana, ce détail. Oh my shit. Oh putain. Mais là, c'est censé représenter la tête de... du véhicule. Ah, d'accord. Et je vois qu'il y a une construction juste en dessous et on se terminera. Et on s'acquittera là-dessus. Et on descend. Christina, il s'appelle le véhicule, je crois, j'ai complètement dit ça. Ce sont des... Ah non, je pensais que c'était une montagne. Non, c'est une map de neige, là. Non, mais je vois qu'il y a quelque chose d'autre sur la... Non? Rien? Y a que bruit? Y a-t-il quelque chose, là-bas? Forêt, forêt, forêt... Ça peut y avoir un village dans le coin, normalement. Il y a une plage. Là, il y a des poulpes. Là, je vais voir si le air system n'est pas dans le coin quand même. Parce que j'aurais bien aimé vous le montrer. Je m'excuse, mais le air system, je ne l'ai pas trouvé encore. Cette map est tellement grande. Non, y'a rien. Non, rien. Non. Eh bah, tant pis. Eh bah, tant pis, on va se terminer sur le Nirvana. J'aurais voulu vous montrer quelque chose d'autre, mais bon. Quoique je peux peut-être retourner en minecart et prendre le troisième chemin, non? Si? Vous en pensez quoi? Ça me fait chier, j'ai pas mis le temps. Ah. Franchement, je sais pas quoi faire. Bulia. Fuck, god damn it. Bizarre, j'avais l'impression que j'avançais plus. En tout cas, j'espère que ça sera mieux que le précédent. Perso, je trouve que ça a un peu mieux décrit que le précédent épisode. Ah bah tiens, et bah voilà le village, je l'ai trouvé. Alors ça, c'est le village du peuple qui a construit le Nirvana. La guilde du... la Wolf Guild, si je m'en souviens bien. En français, la guilde du loup. Oh, tiens, ça m'a changé. Ah, j'avais pas remarqué ça. Toi, ta gueule. Non, la terminale n'est pas levée. Il a même fait les cultures qu'il y a dans le champ, c'est bien. Ah, merde. Petit village très sympa, je me demande s'il a fait les remparts. Normalement, il doit y avoir un rempart. Non. J'ai pas l'air d'y en avoir. Line, pas de rempart, dommage. J'aurais bien voulu.
Et là, nous avons l'autre bout du Nirvana, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Ah, et là, c'est le canon du Nirvana. Oui, là, c'est le canon. Cool. Pénétrons dans le canon. Mode hyperespace. Ouh! Il a un fork. Goddammit. Tourbilol, 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 tourbilol. Oh, oh, je vais avoir envie de dire, mais je... Aïe, code de bête. Oh. Mec qui a fait ça quand même, je dis bravo, franchement. Je lui lèche les boules. Merde. Je peux pas essayer d'avoir... Non, tu veux pas charger? S'il te plaît. Merde, j'ai mis deux screenshots. Non, non, t'as pas. Tant pis. Bon bah tant pis. Eh ben je vous dis à plus, portez-vous bien. Voilà. À plus, portez-vous bien. N'oubliez pas de prendre soin de vos potes et de vous. Restez positif en toutes circonstances. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne, car les vidéos, car je vais bientôt commencer avec Minecraft. J'essaye juste de trouver une bonne map pour la commencer. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos potes. La positive attitude vaincra et vous laissez pas faire par les profs. Mettez-leur la vie dure. Mettez-leur la vie dure. Butez-les. Traumatisez-les. Crevez. Ah bon, allez, à plus. C'était Cocktail. Oui, aïe, oui, aïe, oui, aïe. Ah, et voilà, une bonne chose de faite. Bien. On va voir ce que tu gagnes, je pense pas qu'ils sont plus là. Je vais voir tout griffer. Bien. Oui, même l'ancienne petite fontaine. Oh, troll. Oh, j'aurais dû visiter un peu plus la ville. Tant pis. Co Fuck la police! Oh! J'ai presque failli toucher un directeur, c'est dommage. Ah merde! Ah, je vous avais pas vu! Je pensais que j'avais coupé l'épisode. Ah, excusez-moi. Allez, zou!